Aujourd'hui, je vais vous montrer comment assurer la sécurité de votre enfant. Voici le siège enfant X-Pound. Vous pouvez monter X-Pound confortablement et de manière stable grâce au système ISOFIX. Pour retirer les attaches, faites-les simplement pivoter. Le kit comprend des capuchons qui faciliteront l'assemblage. Mettez-les ici. Maintenant, appuyez sur les loquets ISOFIX jusqu'à ce que les deux marques deviennent vertes et que vous entendiez un clic. Assurez-vous que le siège est stable. X-Pound s'adapte au siège de voiture. L'inclinaison du dossier est ajustée en l'inclinant vers l'arrière. L'installation de la voiture est faite. Il est temps de faire asseoir le passager. Ce siège auto est conçu pour les enfants de deux groupes de poids, de 15 à 36 kg. Afin d'assurer un voyage en toute sécurité, vous réglez d'abord l'appui-tête. Il dispose de 4 niveaux de réglage. Vous saisissez la poignée à l'arrière de l'appui-tête, choisissez le niveau et lâchez prise. Important, les sangles doivent être à la bonne hauteur et bien passer à travers le guide. Vous attachez l'enfant avec des ceintures de sécurité. Vous passez l'épaule dans le guide de l'appui-tête, le guide de la hanche dans le guide de l'accoudoir et les fixez. Les deux doivent être tendus et sans torsion. Gardez à l'esprit que la ceinture ne peut pas passer sur le cou ni glisser sur les épaules et que la sangle ventrale ne peut pas comprimer l'abdomen. Elle doit être à plat sur les cuisses. Le siège peut également être installé dans des voitures sans fixation ISOFIX en utilisant uniquement des ceintures de sécurité à 3 points. La housse de siège peut être enlevée et lavée. Vous dégagez les éléments de rembourrage à l'arrière de l'appui-tête ainsi que du dossier. Vous glissez le matériau de l'appui-tête, puis des couvercles latéraux et du dossier. Vous inclinez le dossier pour séparer les deux parties du siège. Ensuite, vous tirez les guides de ceinture ventrale en les tirant l'un vers l'autre, puis retirez la housse du siège et des accoudoirs. Tous les éléments de rembourrage peuvent être lavés dans une machine à laver. Après le lavage, mettez la housse. Tout d'abord, faites glisser le matériau sur le siège et les accoudoirs. Ensuite, reliez le siège au dossier de fauteuil et mettez les guides. Maintenant, mettez le rembourrage sur l'appui-tête. Enfin, tirez la housse sur le dossier et les revêtements latéraux du siège. Attachez tous les loquets et les élastiques. Ça y est, vous pouvez commencer un voyage sûr.